Hi friends, today it's a pleasure to introduce our first official partnership. This partner is recognized for his excellency and for the technical quality of his work during musical performances he recorded. It's about André Charlin. André Charlin was a prestigious international sound engineer, the inventor of the stereophonic reproduction in France. He worked for the most prestigious labels before creating his own publishing house in 1962. He based his collection with the best recordings he made during all these years. We are very proud to be engaged with the edition André Charlin as a partner. We will be able to offer you this exceptional collection, and I believe in keeping this memory alive. Besides, you have already been thousands to enjoy a Charlin's recording, Haydn's Seven Last Words of Christ. You can still listen it again here, and very soon I'll do a more pedagogic video on this one piece. Now, let's discover together behind the scenes of this masterpiece recording. Lorsque je dois faire un enregistrement, je commence par aller dans la salle et écouter l'orchestre avec mes deux oreilles. Il faut que on soit dans des conditions telles que les échos de la salle ne gênent pas. Il faut bien les observer. Il faut trouver, autrement dit, la place du micro. Idéal. Et c'est autour de cette place qu'il faut disposer l'orchestre et les musiciens et les chanteurs. Voyez-vous ? Oui. C'est tout. Alors, suivant les salles, ça change énormément. Vous avez des salles qui ont ce qu'on appelle des flicker échos. Ce sont des échos dus au... généralement aux murs latéraux, sont des échos excessivement rapides, à haute fréquence, qui brouillent tout. Alors ça, il faut tâcher d'éviter ça. Justement, quelquefois, il y a des écrans à mettre même. L'enregistrement des sept paroles du Christ, on croit que... C'est l'exemple, vous êtes tombé presque sur un exemple type du centrage de l'orchestre en fonction d'une préétude de la nef. Et c'est presque au centre de la nef que se trouvait l'orchestre. Et qui donne une espèce d'ampleur, une espèce d'homogénéité à oui, oui. tout cet ensemble oui, oui. de Barcelone. Et là, justement, il y avait des questions de flicker echo qui étaient gênantes, et il fallait décentrer l'orchestre suffisamment pour qu'il disparaisse. Je crois que le plus difficile, les enregistrements les plus difficiles à réaliser, en fait, c'est souvent dans les églises et les cathédrales, puisqu'il y a un phénomène d'écho. Ah, oui. Il faut toujours commencer par cela, il n'y a rien à faire. Il faut commencer par choisir la place du micro et ensuite mettre les musiciens en fonction de cette place choisie. Or, généralement, on fait l'inverse. Généralement, on a des salles qui sont disposées pour recevoir un orchestre à un endroit, on y fourre l'orchestre et ensuite on met le micro. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à chaque fois. Non. C'est un hasard quand ça marche. Bruno, on te remercie beaucoup de nous accueillir dans ton studio. Bonjour, avec plaisir. On sait qu'en ce moment, tu travailles beaucoup pour les éditions Charlin. Quel est ton travail, d'ailleurs, pour que les internautes puissent te découvrir? En ce moment, ce que je fais, en fait, on a retrouvé un certain nombre de bandes et je suis en train de numériser ces bandes à haute résolution de manière à conserver ce patrimoine exceptionnel, parce que si on fait rien, vu que c'est des vieux enregistrements aujourd'hui, dans quelques années, il ne restera plus rien du tout. Il est grand temps de s'en occuper. Excellent. Lorsque les internautes se rendent sur le site André Charlin, il y a vraiment une chose qui est mise en avant, c'est le fait qu'il soit un pionnier dans la stéréophonie, qu'il soit l'inventeur de la stéréophonie. Donc la question qu'on aimerait te poser, toi qui as beaucoup d'expérience dans le domaine du son, pourquoi Charlin est une révolution pour le monde de la musique et quel est l'héritage qu'il nous a laissé? Mais en fait, André Charlin a travaillé sur le disque, il a commencé à enregistrer des disques à partir de 1949. Et à l'époque, la stéréophonie n'existait pas, puisque les disques stéréophoniques ont été disponibles en 1958 seulement. Mais il a travaillé pour beaucoup de monde, Lumène, L'Oiseau Lyre, Discophile Français, Erato,
BAM, enfin, il a vraiment travaillé pour beaucoup de monde, avant de créer sa propre maison de disques en 1962. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le catalogue Charlin datant de 62 n'a que des enregistrements stéréophoniques. Il n'a aucun disque mono, tout est stéréophonique et tout est enregistré avec la tête artificielle, qui était son procédé d'enregistrement. D'accord. Et en fait, ce système est un. Il avait constaté depuis déjà des années que le fait de travailler avec plusieurs microphones. On perdait énormément dans la spatialisation et la localisation des sons. Donc il s'est polarisé sur un système de microphones en disant voilà, on a deux oreilles, donc si on a deux microphones pour saisir la scène sonore, on doit pouvoir la reproduire avec un assez proche de ce qu'on pourrait entendre avec nos deux oreilles. Donc c'est ça son point de départ et c'est ça son constat. Et en fait, pour pouvoir réaliser ça, il a construit ce qu'il appelait une tête artificielle, mais en fait ça n'a rien d'une tête de mannequin, c'est vraiment un objet acoustique qui a un peu comme un ballon de foot un peu écrasé et avec un microphone de chaque côté. Donc toute l'astuce était d'avoir un revêtement qui permettent d'éviter les réflexions et inversement d'absorber non plus, sans ça on perd. Parce que le problème de la stéréophonie, c'est en fait qu'à partir dans les sons aigus deviennent extrêmement directifs. Les sons graves, on n'a pas de problème, c'est relativement omnidirectionnel, donc on les entend partout, on baigne dedans, mais dès que le son monte en fréquence, il devient de plus en plus directif. Et à ce moment-là, quand il frappe une oreille avant l'autre, ben on sait qu'il arrive de cette direction plutôt que de telle autre. Toute la stéréophonie vient de là. Donc ça, c'est ce qu'on. C'est en fait la stéréophonie par phase. C'est la différence de phase entre nos deux oreilles qui nous permet de localiser le son. Excellent, d'accord. Tout à l'heure, on parlait un petit peu ensemble et tu me disais que actuellement, c'est vrai, hein, on l'observe, il y a beaucoup de micros quasiment pour chaque pupitre. Les violons ont leur micro, les violoncelles, les bois, les. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence avec Charlin ? Non, mais en fait, la prise de son à beaucoup de microphones pose un tas de problèmes de phase et de distorsion de localisation, parce qu'en fait un violon va être pris bien sûr par le microphone du violon, mais il sera un peu pris aussi par celui des altos, un petit peu moins par celui de la contrebasse, un peu plus par celui du triangle qui va être derrière, enfin voilà. Résultat des courses, en fait le violon il va se situer dans une espèce de brouillard et il ne sera plus exactement à sa place. Ça c'est le problème de la prise de son multi-microphone. Donc à partir du moment où on utilise juste un couple de microphones qui pour capter l'ensemble de la scène sonore, forcément on n'a plus ce problème là puisque on a juste la localisation, l'instrument il est là et on peut pratiquement le toucher du doigt en l'entendant. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence avec un enregistrement André Charlin ? De quoi les auditeurs vont-ils pouvoir profiter en écoutant un enregistrement Charlin ? En fait, on pourrait dire que c'est un son bio quasiment, parce que c'est un son qui n'est pas pollué par une scène sonore avec des problèmes de phase, de distorsion, de localisation, etc. C'est une scène sonore extrêmement dépouillée et ça nécessitait effectivement beaucoup de précautions et beaucoup de savoir-faire parce que capter un orchestre symphonique avec deux microphones, c'est pas toujours très très simple et puis ça dépend du volume dans lequel on travaille, ça dépend de comment est constitué l'orchestre. Donc en fait, on est souvent amené, dans des cas de figure de ce type-là, à modifier d'ailleurs la disposition de l'orchestre. Et dans certains de ces disques, il explique bien que là, les violons sont là, les violoncelles sont là, que l'axe sonore est dans ce sens-là, en fait, et ils ont modifié la disposition pour que l'écoute, justement, soit agréable et naturelle, en fait. Voilà. Excellent. Tu peux nous dire peut-être deux mots sur ce magnifique appareil ? Ça, c'est une console Charlin, en fait,
qui a été fabriquée dans les années 60. Elle est équipée, à l'époque c'était une Torrens CD124 qui était équipée parce qu'il n'a jamais fait de mécanique, il n'a pas fait de platine. Ça c'est le préampli Charlin à transistor ENB. Et derrière, il y a l'ampli qui était soit à lampe, soit à transistor, qui est situé derrière l'appareil. Mmh. Et en général, c'était diffusé sur les colonnes Charlin. Mmh. D'accord, excellent. Une vraie pièce de collection. Ah oui, c'est clair que c'est un outil qui n'est plus vraiment de notre époque, mais, mais qui fonctionne et qui en fait donne toute satisfaction. Excellent. Bruno, encore merci beaucoup pour ton témoignage et puis on a hâte de découvrir bientôt ton travail et de pouvoir tous en profiter. Ok. Thank you.
Thank you.